Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Destiny avec la dernière mission apparemment de la Lune, la caverne de la nuit. Donc on va lancer. J'ai amélioré quelques trucs quand même dans sur mon perso. J'ai une arme un peu meilleure quand même, beaucoup meilleure pour parler bien la France de la mort qui tue. Une arme de niveau du même niveau que j'avais, niveau 6, mais qui fait le double de dégâts, qui fait 91 en dégâts, donc ce qui va m'aider, je pense, à tuer pas mal d'ennemis. Sur tous les canaux, ça vient du guide. Nous devons agir maintenant. Nous pensons que la ruche a entamé un rituel dans le but d'éteindre la lumière du voyageur. Cette puissance à laquelle elle fait appel, nous devons la comprendre et la détruire. Oui, monseigneur. Ah oui. Oh là 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 là. Dark Sidious. Oh, qu'est-ce qui me tarde l'année prochaine et la sortie du nouveau Star Wars. Un vrai Star Wars en 3D, tout ça va être déchiré. Si on trouve des fissures assez profondes, je pourrais cartographier la forteresse. Faut que j'aille où, moi? Ah. Normalement, je sais pas où. Pas trop où faut que j'aille. Hop. Une sur deux, elle est où la deuxième? Le scan était bon, mais insuffisant pour localiser le rituel. Continuons à chercher. J'aime bien ma tenue bleue, qu'elle a la classe. D'accord, c'est là-bas. Ah, je le suis carrément là. Elle est là. Utilisons le spectre tout de suite. Ouh là, ça envoie du lourd là. Je l'ai. Nous allons devoir continuer à nous enfoncer dans le temple. J'aime pas trop le viseur. C'est pas par là que je vais, moi, Godon. Allez. S'il veut, lui. Problème, toi, le bonhomme? Non? Bon. C'est où que j'aille? Ok. Ah merde! Oui, il est parti les tuer, Godon. Ah non, pas de pitié. Hein. Non mais dis donc. Tu vas te détendre, toi? Allez! C'est parti. Waouh. Problème toi? On va l'habituer quand même, hein. Il va beaucoup plus vite que moi pour faire tout ce qu'il y a à faire, il le fait beaucoup plus vite que moi, Godon. Hein.
C'est assez impressionnant. J'ai l'impression vraiment d'avoir du lag en fait. Alors que non, hein. Pas du tout. Hein. Mais tellement il le fait bien. Joueur là-bas, je vais le suivre de toute façon. Ok, faut aller où après? De toute façon, c'est par ici. C'est où? Il est parti où, Adon? Il est là. Prêt? Oh. Je sais pas trop où faut que j'aille moi là. Ah, merci. C'est où? Tu viens, bonhomme? Bonhomme, voilà. Je vais le laisser aller fouiller là-haut. Je vais avancer un petit peu. Il me rejoindra après. Quelqu'un essaie d'établir le contact. C'est peut-être le guide. Rien à faire. Trop d'interférences. Où il est? Ah, si je l'ai perdu. Ah, si, là. Avec ça bougeait au fond, mais non. Doucement, doucement, je suis là. Il m'a rattrapé. Petite cinématique. Vous m'intriguez. Un peu. Votre avenir semble plutôt prometteur. Qui est-ce? Je ne sais pas. Le signal faiblit. Gardien, je sais ce à quoi vous pensez. C'est courageux. Mais vous n'avez aucune idée des ennemis qui se cachent là-bas. Où ça? Descendez, affrontez la ruche. Et si vous survivez, venez me trouver. J'ai perdu le signal. J'ai pu noter quelques coordonnées. Vénus, hémisphère nord, la région d'Ishtar. Génial. Que fait-on alors? On descend. Bon. Eh ben allez, hein, c'est parti. Joli. Ouais, ça me paraît bien de remonter quand même. Ouais, je me suis un peu jeté à l'aventure là. L'ogre, c'est fait. Récupérer ça là. Je vais y arriver moi à tirer ou pas? Je tire n'importe comment là. Ah merci, moins un.
Toi, dégage par contre. Voilà. Bon, c'est où? Elle est en dessous. Ouais, ça m'aurait étonné. Par contre, en solo, fusil à fusion, ça me paraît bien. Il est déjà descendu, ok. Je suis là. Waouh. T'as un problème toi? Allez, dégage. Dégage, t'as dit. Non mais... Oui. Il y a quand même un chevalier en bas, donc il faut se méfier un petit peu. Ah mais il est parti. Ouf. Ah mais il a atomisé le chevalier. Ouais. Ça s'appelle y mettre la misère, ça. Il y en a d'autres ou pas? Il est où? Il n'y a pas. Voilà. Un épandeur de la ruche. Les mêmes que sur Terre. Si nous ne mettons pas un terme, il y en aura d'autres. Ouais, ok. Voilà, moins un. Deux. C'est pas ce qui m'a touché là, mais putain. Oh, j'ai pris cher là. Allez, allez, continuons. Il va y avoir du peuple, non? Voilà, ça y est, on attaque. C'est parti, mon kiki. Oh! Oh, elle était peut-être bien tirée, celle-là, non? Ou pas? Pas d'ailleurs, ou pas que bien, ouais. La prêtresse, déjà, c'est fait. Le chevalier, il y en a un de fait. Il reste un deuxième. Et aussi. Ah, il en reste deux autres. Bon ben voilà, il n'y a plus rien. Hop là, facile. Allez, je descends, pour moi.
Ça, c'est bon, ça. Il est fou, Goli. C'est quoi qu'il y a là-haut? Des chevaliers, non? Au moins un chevalier. Il y a un mec là, par contre. Ou pas. Par contre, là-haut, c'est un chevalier. C'est sûr. Ok, c'est fait. Il me laisse les orbes, il est sympa. Celle-là, ça n'est pas à ramasser. Alors, c'est où? C'est là. Nous y sommes. L'antichambre la plus sinistre de la ruche. T'es prêt? On a déchiré la gueule. Ça c'est fait. C'est où? Ça vient d'où? Ok, ça c'est fait. Il va y avoir des gros trucs parce que sinon là. Ouf! J'ai oublié comme ça faisait mal leur merde. Excusez-moi, je récupère ce que j'ai à récupérer quand même. Je veux surtout pas qu'il meure, Godon. Ça sera marrant. Bien vu ça. Il a rien déchiré. Ils sont. Ok. Quel. Oh là, par contre, il fallait que je fuis parce que j'étais pas bien. Merci d'être passé, toi. C'est où? Ah, très bien. Ah, j'ai à nouveau ma supercharge, c'est pas toi. Ça pue. Ça pue le gros boss. Merci. Effectivement, j'avais raison. Ça pue le gros boss. Je vais faire un peu de vie là, hein, parce que. Déjà ? Ben ouais, je veux bien. Comment il a atomisé Godon ? Voilà. Ça, ça s'appelle mettre une branlée à un boss. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi vérifier. C'est un fragment du voyageur. Il est utilisé contre le voyageur pour engloutir sa lumière. Et il est rentré. Et notre nouvel ami disait que les ennemis sont encore pires sur Vénus. Génial. Eh ben voilà. La prochaine donc planète sera Vénus. Ouf. Eh ben, ça aura été sympa. Et on aura vraiment fait une mission
Le boss, il a pris deux super attaques, deux super charges, il a rien compris, il est mort, direct. Deux super charges, une grenade, moi j'ai failli crever. Mais tout s'est bien passé. Heureusement que j'avais Godon avec moi, parce que je pense que sinon là c'est un truc... C'est un coup à y laisser des plumes. Ouais, continuons. Donc on va aller faire un petit peu de multi. Une dernière partie en multi. Du moins une partie en multi pour cet épisode. Allez. Nouvelle destination. Vénus. Ok. Où est Vénus? Très bien. Bon. La nouvelle monarchie est à la recherche. Hein. Tenez compte de la petite taille de votre équipe. Abattez l'ennemi. Réanimez vos coéquipiers. Ok. Eh ben, ça sera pas mal. Ça permettra de finir en beauté cet épisode. On va voir un petit peu le message de Godon. On va aller le voir en direct. Ben, je viens d'en recevoir un. Tiens, c'est bizarre. On a reçu un nouveau message il y a 8 minutes. Est-ce que j'ai essayé le mode assaut? Ben non. C'est vrai que je joue pas beaucoup à Destiny, mis à part pour faire la vidéo, pour faire mes vidéos. Hop. Donc là, on va être rejoint par notre comparse. L'anomalie. Marconitum. Qu'est-ce que c'est que cette map? Et c'est quoi donc qui dit lui? 3 contre 3 pour réanimer nos potes. Escarmouche. Ok. Équipe, tuez les joueurs ennemis, réanimez vos coéquipiers. Unissez vos forces si vous voulez survivre. J'ai joué avec Godon. Il est où Godon? T'as bien joué avec lui. Ouais, les autres sont deux au final. Ils doivent pas être drôles. Ah, Godon a rejoint l'escouade. Très bien. Oh, c'est une map. Un peu casse-couille, je pense, ça. Passez en tête. Hop, merci pour le frag. Ok, c'est par là. Oh, bien vu. Oula, par contre, il m'a mis cher, lui. Lui m'a mis une grosse misouille. Je vais attendre de voir. Est-ce que je peux être réanimé? Non, c'est pas la peine. Oh putain, je l'ai pas eu. Ah, je pensais quand même que mon attaque au corps à corps suffirait pour l'avoir. Oh, il a fait un joli carton là. Oh putain. Ouais, le fusil à fusion, ce que j'aime pas, c'est qu'il faut beaucoup trop de temps pour réussir. Allez, j'arrive. Oh, ouais, d'accord. J'arrive derrière, je me fais buter. Le mec, il est tanké là. Par contre, hop.
Hop, hop. Voilà. Allez. C'est chaud, en plus cette map, je la connais pas du tout. C'est vraiment la première fois que je la fais. Les munitions lourdes arrivent. Oh putain, je fais n'importe quoi. Pourquoi il a pas... Il a pas balancé ma grenade. Oh, j'ai du mal là. Oh, je suis dernier, bon dernier de la map. Munitions lourdes disponibles. Ah ouais, parce que j'en ai plus de grenade, d'accord. Eh ben Golden, j'essaie de te couvrir. Vous êtes en tête. C'est pas grâce à moi, hein, ça c'est sûr. Gardienne a été touchée. Elle est où? Oh non! Oh non! Oh non, 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 je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. J'ai appuyé sur le sur mon attaque au corps à corps. Oh, je fais une partie de merde. Ah, oh, j'aime pas du tout cette map. Perdu l'avantage. Gardez la terre. Mais alors, pas du tout, du tout. Hein. Oh, mais c'est quand même... Ouais, quand même, il démonte la gueule. Ouais, c'est impressionnant. Ah, j'aime vraiment, mais alors, vraiment, vraiment pas cette map. Hein. C'est trop petit, c'est trop des couloirs. Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas de campeur. Hein. Le mec qui me dit je campe sur cette map, c'est pas possible. Hein. Putain, j'ai pas pu. Oh non, mais je suis maladroit. Ouh là 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 là. Bon, allez, faut que je me réveille un peu parce que là, c'est pas possible quoi. Je fais rien du tout. J'ai pas tué un mec. Si, j'ai fait un kill à un moment, je crois. Mais alors là, c'est vraiment une map de merde. Pour moi. Hein. Oh le mec, comment il me démonte la gueule en 2 secondes. Bah, je veux bien niveau 28, il y a une, vraiment une grosse diff quoi. Gardien à terre. Allez. Oh monsieur. Fusil à impulsion, comment ça. Mais là, là par contre ça démonte quoi. Moi il me faut 3 jours pour charger. Bon alors lui il m'a démonté la gueule en 2 secondes quoi. Gardien à terre. Là, t'as un problème toi? Il est. Là, dégage. Lourde en approche. Là, il me fait mon kill. Encore un frag. Il y a des munitions lourdes. Munitions lourdes, ils vont y aller. Oh, joli. Très joli, fusil à pompe là. Pas grand chose à dire. Si ce n'est que c'était bien vu. Oh putain, je l'ai eu. Tiens, ça t'apprendra à essayer de vouloir me buter trop facilement, toi. Allez, va. Plus que 5 minutes. Vous n'êtes plus en tête. Oh non. Oh, je suis vert, putain, dans mon dos. Ah, je l'aurais... Ah, lui, j'allais le démonter, lui. Il m'avait pas vu, j'étais bien passé sous le truc.
On n'est plus en tête, là, on a même bien reculé. Gardien a été touché. Je vais pas pouvoir aller le réanimer là-haut. Oh putain, j'ai voulu tenter la réa. Là, c'est compliqué. Hein. Ah, il est bon là, dès 1996-828. Hein. Très bon joueur. Allez, rien à dire. Allez, voyons voir un peu. Bon, là-bas. Et on va essayer de les prendre à revers par ici. Gardien à terre. Dégage toi. Vous êtes en tête. Joli. Merci pour le soutien là. Par là que ça se passe. On y va ou pas? Ils l'ont eu. Des munitions lourdes arrivent. Allez, je vais tourner avec eux. En équipe, ça sera plus simple, je pense, c'est plus logique. Munitions lourdes disponibles. Je reste au moins avec un 2. On reste avec Godon. Ouais, par contre, t'as mis atomisé là, joli. Hein. Merde, Godon derrière toi. Il revient. Il va me réanimer. Qui ? Et on va là. J'ai pas mon... Oh putain. Pour la pitié dans la J'ai utilisé ma super charge pour rien parce que il l'a eu avant. Bon, il a bien joué. Hein. Maintenant on sait où ils sont. Allez, j'ai eu l'assist. Bien joué. Cible éliminée. Beau travail. Ah, tu veux voir? Ah ouais. Il l'a eu. Ouais, ben on a gagné. Ben voilà. Une belle partie encore. Une très très belle partie. Bon, enfin une belle partie. Non, pas en termes de gameplay pour moi, hein, parce que j'ai pas été bon du tout. Mais voilà, ça fait plaisir de jouer. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup le multi hein, de ce jeu. Je le trouve très intéressant. Et ça change vraiment de ce qu'on peut voir habituellement. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode encore une fois vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec le début de Vénus. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Ciao tout le monde.